Kev Adams vient de donner de ses nouvelles ce lundi soir à Paris Match, alors qu'il a été hospitalisé en urgence à Cannes dimanche. Le comédien avait dû annuler à la dernière minute ses engagements liés à la promotion de son nouveau film. La suite après la publicité, Kev Adams, qui a été hospitalisé en urgence à Cannes dimanche, vient de donner de ses nouvelles ce lundi soir à Paris Match. On a connu mieux mais très très heureux d'être là. La joie prend le dessus sur la douleur post-opération, a-t-il confié nos confrères, alors qu'il est présent pour le coup d'envoi de la 27e édition du Festival de L'Alpe d'Huez. Avant d'ajouter et de révéler, Jai était opéré dans la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital de Cannes, d'une appendicite qui s'est aggravée en début de péritonite. Donc pas très marrant et très douloureux. Il est actuellement sous médicaments, et a quelques consignes à respecter. Je fais très attention à mes pansements, je prends mes médicaments 3 fois par jour, je suis bourré de médocs, mais c'était impensable pour moi de rater L'Alpe d'Huez. Je crois que ça se joue aussi dans la tête. Les médecins m'ont dit dimanche que ça serait impossible mais, comme un objectif un peu étrange, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. C'est tellement de fierté, tellement de bonheur d'être ici. Kev Adams, hyper stressé et mal au ventre. Kev Adams ne voulait donc absolument pas manquer la projection de son nouveau film Maison de retraite 2 en ouverture. Ce 15 janvier, le film sortira en salle le 16 février prochain. Cela lui tenait tellement à cœur d'être là qu'il a donc décidé de se dépasser physiquement, malgré son état. Rappelons qu'il était déjà à L'Alpe d'Huez l'année dernière, pour la présentation du premier Maison de retraite. Le film avait rencontré un certain succès. C'est très impressionnant, écrasant même, d'être le film d'ouverture. Je suis hyper stressé, j'ai mal au ventre pour plusieurs raisons différentes, explique-t-il avec humour à Paris Match. Avant de conclure, j'espère que les gens vont être réceptifs et passer un bon moment. Plus de peur que de mal donc, pour celui qui a quitté la France pour Los Angeles. Reste à savoir quand est-ce qu'il sera rétabli pour de bon. La suite après la publicité.